Dès 7h ce matin, opération filtrage au péage de Sisteron. Ça, c'est des escaliers. Il faut aller des trappes pour aller dans les greniers. Une vingtaine d'agriculteurs s'est donné rendez-vous pour contrôler l'origine des produits à l'intérieur des camions. Vous avez rien qui se mange, quoi. Vous n'avez pas d'alimentaire. Non. On fait jamais d'alimentaire. À la fin de la journée, il faudrait qu'on arrive à faire un petit récap du nombre de camions qui rentrent sur le 04 et la quantité de produits importés qui rentrent du coup dans le département et voir un peu ce que c'est, produits frais, produits secs. Voilà ce qu'on cherche, mais après on ouvre simplement les camions, on les vide pas ni quoi que ce soit. Et les transporteurs fatalistes se plient à ces contrôles exceptionnels. Est-ce que vous comprenez que les agriculteurs arrêtent? Ah bah tout à fait, oui. Ça vous dérange pas, enfin, pour vous? Ah bah si, ça me dérange, mais bon, voilà quoi. Ça fait partie du jeu, c'est comme les gilets jaunes. Hein. Et vous les soutenez? Oui. Bien sûr. Vive les agriculteurs! Cette opération vise aussi à dénoncer les produits étrangers qui ne respectent pas les normes appliquées en France. On est là pour sensibiliser, comme on a fait dans les supermarchés. Le but, c'est la communication. On n'est pas là pour se mettre les gens à dos. On est là pour leur faire comprendre notre démarche et que l'agriculture en France est vraiment en déclin et qu'il y a vraiment un problème d'incompréhension. En fait, on a une incompréhension par rapport à l'import. Et ça, c'est terrible pour nous, en fait. En fin de matinée, les représentants syndicaux ont été reçus par le préfet des Alpes de Haute-Provence. Si le dialogue est toujours présent, les agriculteurs comptent maintenir leur mobilisation dans les jours à venir.